It's like something, something doing me bottle, bottle, baby. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée activité. Avant de vous expliquer la journée activité, je vais vous expliquer un peu. J'avais dit que j'allais faire une vidéo, tout ce qui est activité, mariage et aussi culture maoraie. Mais sauf que la vidéo, quand je regarde, eh ben, du coup, j'ai décidé de publier la vidéo mariage avant et après activité et culture maoraie. Parce que c'est vrai que mariage, ça fait partie des cultures maoraies. Mais bon, vu que le mariage, j'ai filmé du début jusqu'à la fin, ça dure un petit peu long. Donc, voilà. Comme je disais, aujourd'hui, journée activité. Et après, on va faire barbecue avec toute la famille. Ça va être cool en tout cas. Moi, j'ai trop hâte. Là, j'ai fini de me préparer. J'ai fait des crêpes. Comme ça, on va manger. Et quoi dire? Et aussi, pour vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait kayak. Ça fait 9 ans pour vous dire que je n'ai pas fait kayak. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop, trop hâte. On va faire du kayak, on va aller sur l'îlot là-bas là. Et du coup là on doit mettre nos affaires dedans. Comme ça, ben on sait jamais. Hein. Comme ça va protéger les téléphones, etc. On attend les autres parce qu'ils sont loin, ils sont derrière. Oh, il y a trop de vent. Il vit enfin. Ah, franchement, kayak, c'est trop dur. Hein. Hein? C'est trop, trop dur. Par contre, la plage, elle est calme. Une dinguerie, la plage. Hein. Magnifique. Regarde, on rentre. Direction barbecue. Oh là là, une dinguerie. Ça m'a fatiguée. Ouais, par contre j'aime trop les chaussures qui sont ici, c'est grave stylé et tout, genre ça et tout, on est trop fort en France. Personnellement à 3, je pense pas, à part si je sors pas, mais à mes connaissances, il n'y a pas genre ce genre de claquettes, tout ça là, c'est, je trouve ça beau. Ça, par contre je kiffe trop, je kiffe trop et tout. Là, dans ce magasin, c'est des trucs de souvenirs. Franchement, c'est hyper beau en par contre. Hein. C'est trop beau, des sacs. Il y a des trucs grave beaux. Regardez les cartes et tout. Ouais, il y a tellement des choses, je sais pas quoi prendre en fait.
C'est trop trop beau. Et j'aime trop par contre. Je kiffe. Ça je pense que c'est une boîte à bijoux. Tout ça là. Regardez, mais c'est trop chou, mais c'est trop beau, et je kiffe trop. Bon, franchement j'aime bien pour la déco, tout ça, etc. C'est beau. Du coup là, je viens juste d'arriver à la maison. On est arrivé hyper fort à la maison, parce que vous savez, les embouteillages à Mahut, c'est hyper compliqué. Du coup, voilà. Je suis grave fatiguée. Du coup, on se dit à demain. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez pas ma tête. Écoutez mon neveu qui fait du bruit derrière. Super. Là, du coup, en mode, je viens de me réveiller. Ne calculez pas ma tête, c'est normal. Et là, je vais prendre mon petit déjeuner. Là, je vais prendre mon petit déjeuner et après, je vais sortir avec ma copine. Et on a une activité aujourd'hui avec ma copine. En plus, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quand je vous dis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très très longtemps, je m'imagine, depuis qu'on était au collège. Ouais, on s'est quitté et depuis, on ne s'est plus revu. Désolée, mais mon neveu, voilà. Quand je parle, il oublie de faire quelque chose. Quand je parle pas, bah, il fait rien. Bref, je vais aller faire prendre mon petit déj. Mon petit déj. Franchement, c'est hyper bon ça. Je me souviens quand on mangeait ça quand on était petit. C'est grave bon. Prête, je sors. Petit sac. Je sais pas si vous voyez comment je suis habillée. Honnêt, Shadia, tu peux nous présenter s'il te plaît? En fait, il n'y a plus de journée culturelle. Parce que, c'est Mayotte, quoi. On va pas donner d'explication, il n'y a pas de raison. Et en fait, on a atterri au musée Eco, je sais plus. Non, mais ça, mes présentations, la banque, elle sort. Moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça, la base, et ils font cuire. Regarde. Non, non, mais non. J'y crois pas. Mais si, regarde. T'as vu, t'as du sel. Non, je crois pas, c'est pas ça. Mais je te promets, regarde, t'as du sel là. Attends, c'est pas possible. J'y crois toujours mais pas. Regarde, là, t'as des reflets de sel et tout. Ben voilà. Je suis choquée. Bon, voilà comment ça te passe. Mais je sais pas si c'est vraiment ça, on va demander. Je suis sûre que c'est ça. Sur ma vie, je sais pas. Vie, ma mère, je pense que c'est ça. On va demander. Mais mon pêche. Je crois qu'ils mettent de l'eau et après, ils font cuire. Goûte. Goûte toi. Si tu veux goûter, goûte. Elle est folle. Elle me dit goûte. Ils utilisent ça, mais ils prennent l'eau. L'eau qui est juste en dessous. Ils filtrent. Oui, ils filtrent et tout. Ah oui, bah oui, regarde. Ouais, ils sont en train de filtrer et tout. Et du coup, bah, pour faire le sel, ils prennent l'eau. Regardez comment ça se passe. Ah ouais, là on a. Voilà. L'action là. Du coup là ils sont en train de fabriquer le sel. Voilà. Là. Donc c'est comme ça qu'on fait le sel. Je suis choquée. Et le chingua bavelé. Voilà.
Elle s'appelle Shingo de Bandede, c'est ça? Oui. À 2,50€. Ah, il y a du sel partout. Même là, il y a du sel. Là aussi, il y a du sel. Alors, ça, c'est du sel pour mettre dans les pieds pour danser. On a du sel en. Chaka chaka. Oui. Ça aussi, ah, ok. Ça, tu mets ici dans les pieds, dans les cheveux. Je mets dans les cheveux. Ah, ok. Ça, c'est dans les cheveux. C'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'est pas encore arrivé à la maison. Elle bouffe. C'est trop bon, wesh. Oh. Oh, c'est trop chaud. Mais ils sont trop chauds. Mais on n'a pas de bouffe, nous. On n'a pas à manger. Je suis morte. On est à la plage. Hello les amis, j'espère que vous allez. Désolée, mais je suis grave enrhumée, je suis malade en plus. Alors là, c'est le bon point. Donc je disais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rentre à la plage barbecue avec des amis et mes soeurs. Du coup, voilà, là on va faire le ménage, etc. Après direction, on va se préparer direction la plage. Go à la plage, je suis prête, j'attends la voiture. Et il n'y a pas à être malade comme ça. Je suis malade mais j'ai envie de sortir. Incroyable, au lieu de me reposer, je vais sortir. Hello! On va chez Tambachi pour. J'ai oublié. En gros, c'est une journée culturelle. Voilà. Et j'oublie tout le temps, c'est ma vie. On a rendez-vous à 8h30. On change pas la voleuse de mangue. On change pas la voleuse de mangue, vraiment. Même le matin, il est. Non, mais attends, vous savez, il est 8h. 8h, elle vole des mangues. C'est une dinguerie. Là, on y est arrivé. C'est un bâti. Regardez les coordonnées pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. Ici en haut. Et les gars, on est chez Tambachi. Le fumon, ça tient le fumon. Le fumon rouge. Oh, c'est trop bien. Voilà. Regarde le repassage. Dieu, ça date. De ouf. Ah, par contre, ça c'est super beau. Ouais. Ah, t'as pas l'air. C'est beau. Ça, c'est le maïs, non? Ouais. Ah, ça c'est du bao. J'ai vraiment dit ça. Genre, quand on a dit à l'école coranique, fallait qu'on écrit ben, ce qu'on apprenait. Oui, c'est ça. Ah, je suis choquée. Il y a grave des beaux trucs. Des anciennes lampes et tout à l'ancienne. Écoute, la gâche, moi. Je te jure. Ça, ça s'appelle un pari. En gros, les gens, ils utilisent pour le débat. Attends. J'ai trop zoomé.
pour le débat à Mayotte. Ça, c'est une danse traditionnelle à Mayotte. Et il y a ça. Ça, c'est pour... Attends, avant, on utilisait ça jusqu'à que la machine... Là, maintenant, tout le monde utilise les machines, mais en vrai, on utilisait ça pour râper le coco. Ça c'est pour attends pour coudre. Ça, c'est la machine à coudre à l'ancienne. Je suis choquée. Oui. C'est un tourne-disque. Des claquettes en bois. Mais c'est trop génial. Et sur ma vie, c'est un... Attends, c'est un tourne-disque ça. Choquée. Là, ça c'est des louches ça. Ça c'est des louches à l'ancienne là. Bon, on utilise toujours. Il y a différentes différences. Alors, bon, si ça non va, tu vas toujours les fagnes pire. Oui. Je suis la guatoura douce. Bon, tu vas tout l'amener au paille. Ça protège du soleil, ça nettoie. Nous, comme on prépare des grosses marmites. Dans les mazarakas, dans les mariages, on met le misindano pour protéger le visage de la fumée, du feu, tout ça. Deuxièmement, on peut faire du masque jaune avec du tamtamage. On dirait du poivre, mais ce n'est pas du poivre. C'est des graines de tamtamage pour faire le masque jaune. Je vais vous donner le pratique tout à l'heure. Ça, c'est le... L'argile blanche, c'est de la terre, c'est du kaolin, et puis on peut l'appeler argile blanche. Voilà, ça c'est pour faire le kombala myongo, c'est ça le myongo. Myongo, c'est une nervure de feuilles de cocotier. C'est quoi? Donc ça c'est le myongo. Et puis le dessin qui s'appelle le komba. Et ce qui est joli, ça s'appelle combat. Vous avez compris jusqu'à là? Oui. Allez, maintenant, on va commencer par ça, ça ou ça. Oui. On commence par le blanc. Alors, je mets un peu d'eau. Je frotte. De faire le cindano, comme je vous avais expliqué. Ça, c'est de la pierre de corail, très très ancienne. Vous voyez, maintenant je vais vous le montrer. Voilà. C'était cassé, j'ai mis du ciment pour le refaire, pour le recoller, parce que c'est interdit le corail. On n'en trouve plus, même là. On est en train de réfléchir, de penser, de chercher un autre moyen pour faire notre masque. Parce que c'est un masque qu'on a trouvé avec nos parents depuis les années à l'époque. Donc on ne doit pas laisser notre culture, c'est notre tradition. C'est notre masque de tous les jours, masque de beauté de tous les jours qu'on met pendant les mariages, pendant les fêtes, pendant... Les cérémonies, pendant ça protège du soleil, ça nettoie la peau, on fait du gommage, on fait beaucoup de choses avec le cinzano, le masque de beauté blanc. C'est un beau profil en plus. Ça va sécher et ça reste comme ça. Mais normalement, on fait tout le visage, mais c'est une petite démonstration. Allez, maintenant, je vais vous montrer le masque. Tamtamage. On met trois. Oui, on dirait du poivre. Mais c'est pas du poivre. On met juste trois parce que c'est très jaune. Voilà.
Mon modèle. C'est bien, oui. J'ai bien fait de la ramener. J'ai bien fait de se ramener. Je te jure, ça te va trop trop bien. Avec l'argile et le myong. Ouais. Mets un peu d'eau. Ça va super bien en plus, hein. C'est trop belle. Combat là, c'est ce petit dessin là, il s'appelle combat. Voilà. Là, myongo. Ah masque d'accord, ça s'appelle combat là, myongo. Traditionnel, avec le dessin, avec les dessins. Ça s'appelle combat là, myongo. Le masque de beauté décoratif, on utilise surtout, merci. Pendant les mariages, le fait à la mariée. Pendant les cérémonies, pendant les fêtes, c'est notre masque traditionnel de mariage, surtout pour les mariages. On le fait à la mariée. Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières. C'est pour ça qu'elle nous a montré plusieurs manières de la faire. Plusieurs dessins. Oui. Comment on dit. On a l'impression d'être une princesse là. Et on a trouvé avec nos parents, c'est ma mère qui faisait ça. Et ma tante, la sœur de mon père, il faisait ça. Donc, je lui ai dit, il faut que je prenne le travail de ma mère, le mettre en le relais. Je prends le relais, oui. Et moi, j'aimerais bien, je veux pas que ça s'arrête sur moi. Oui. J'aimerais bien qu'il y ait des que ça se développe, oui. Les jeunes viennent apprendre que. Pour faire, pas, oui. Mais qu'ils restent. Tu donnes des cours? Bien sûr que oui, c'est ça ce que je parle. Je lance des cris tous les jours. Il faut que je veux des jeunes qui viennent pour. Mais quand je dis ça, c'est comme ça. Oui, non, je sais. Je pense que c'est la seule. Je pense que c'est la seule. Je ne sais pas comment. Les jeunes disent le temps. À l'époque en gros, ils attachaient les cheveux des mariés, comme ça. Les cheveux des mariés, vous attachez à cette manière. Si je mange, Oui, c'est ça. Mais d'accord, c'est une démonstration. Oui. Je vous le fais. Ah, c'est trop beau! C'est trop, trop, trop beau. C'est grave beau, hein. Heureusement que je l'ai ramené, hein. Ça y est, c'est bon, là. Comme ça, je fais ma...
Ouais. La modèle. Toi, t'es ici, tu peux apprendre. Les années 70, tu vois, c'est grave, joli. Donc, comme moi je prépare la mariée, je, surtout les autres, les entraînements là. Et chaque bijou avait son nom. Oui. À l'époque. Comme celle-là, ça s'appelait Entre Madame. Entre Madame. Les bijoux, c'est Entre Madame. Mamie. Et ça, ça s'appelle Koufou Asoulout. Koufou Asoulout. Ça s'appelle Hara. Ça s'appelle Hara. Si tu me tapes avec ta couche, non. Il y a une bouchine et il y aura une cigarette. Cigarette. Ça, c'est un bracelet. Ça s'appelle cigarette. Très, très joli. On ne peut pas préparer une mariée sans le jasmin. Le jasmin, c'est obligatoire. C'est la tradition. Ça sent bon. Et pour ça, connaître que c'est la mariée, c'est le jasmin. Ça flatte et ça sent très bon. Voilà. Oui. Jasmin à Canamère. Après, ça commence. Après, l'huile de coco, il y avait pour que ça fasse sentir bon dans la maison du mariage, il y avait l'huile de coco parfumée avec des vétiver, des racines de vétiver, du basilic, du langilang. Ah oui, c'est vrai. Jasmin, ouais. Plusieurs parfums qui sont très bons. Oui, c'est vrai. On le mettait dans l'huile de coco, mais séché. Séché. Et on le mettait dans l'huile de coco, dans une petite bouteille, dans un bocal, dans une boîte. Et quand les gens, les jeunes, les gens arrivent, on lui donnait pour mettre le corps comme ça. Et ça parfumait toujours. L'odeur, ça restait toujours. Ça c'est du guéna, mais je sais pas, c'est guéna dans le pembe vongi. Guéna, c'est un crayon. Nous on utilise les crayons, oui. On peut utiliser comme mascara, comme crayon. C'est très très bon. Et c'est mieux que le mascara. Ah oui, c'est traditionnel. C'est. Non, pas c'est mascara ou eyeliner? Non, ça c'est traditionnel. Il y a un souvent on voit un crayon. Oui. Ah, le crayon, je sais pas quoi là. Oui. Le crayon est un mascara. Ah, il est des eyeliner ou des Nina Chabano? C'est un crayon noir. Mais c'est très très beau. Alors, ça ressort les yeux.
pour toute information. De toute façon, je vais vous mettre tous les trucs de Tampati juste ici. Les renseignements. Et n'hésitez pas à venir pour les personnes. Elle habite à Bouigny. Pour les personnes intéressées. Et si vous voulez apprendre pour faire du Msinzano, etc. Ou pour les personnes qui veulent se marier, qui veulent être maquillées traditionnelles comme Shadia, parce qu'elle est toute belle. C'est comme ça que les femmes réelles sont normalement. Parce que on aime trop copier toutes les traditions de l'Inde, etc. Alors que la tradition mahoraise... Franchement, c'est BG. Hein. De ouf. C'est canon. Moi, j'aime trop. Déjà, elle va faire sur moi. Si elle me rase, je la tape. Parce que sur elle, là, elle s'entraîne, en fait. Je sais. Mais il faut toujours dire bismillah quand on fait quelque chose. Je sais plus sur quel doigt elle a fait. N'importe. Hako. C'est ça, c'est là. C'est même pas Shadia qui l'a fait parce qu'elle a commencé. C'est moi qui fais les bibouzis, c'est bon. Et après, Tambati, elle a terminé. Ah, t'as vu, t'as entendu? C'est vrai qu'elle était bien partie, mais... Faut juste que je travaille. Voilà, faut qu'elle revienne pour apprendre. Oui, moi, je suis chaud. Hein. T'appelles ton papa? En tout cas, Tambati, elle fait pas les choses à moitié. On est toutes belles, on sort de chez elle toutes belles, on était venues Oui. Et là on est toutes belles. Nous voici toutes belles. Elle est trop trop belle. J'aime trop. En tout cas, franchement, merci à Tambati. Bien accueillie. Je suis rentrée à la maison. Désolée, j'ai pas pu filmer. J'étais trop fatiguée, j'étais KO, je me suis reposée. Là, je viens juste de me réveiller. Là, je vais faire à manger avec ma daronne. Je vais rentrer tu dis un mot go. Faut pas se moquer, hein. Je sais même pas si je l'ai bien prononcé ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Jamais. Ça, c'est les tuzi. Bon, pour les personnes qui ne savent pas, genre, c'est comme des petits pois ou lentilles. Et ça, c'est le manioc qu'on a coupé. On va mélanger ensemble et on va faire cuire avec le lait de coco. Bon, je vais vous montrer comment on fait. Ça, faut bien mélanger. Avec du sel. Mais de l'eau. Et beaucoup d'eau, juste un peu pour que ça cuit bien les deux. Et après, on va rajouter le lait de coco. Du coup, là, les amis, voilà, on a râpé le coco avec du rap coco de chez nous, ce que je vous ai montré chez Tambati. De toute façon, je vous mets une photo juste là, comme ça vous allez voir. Et je voulais dire quoi, là, il faut presser pour avoir le jus de coco. Et bien pressé, il faut mettre de l'eau chaude pour bien récupérer le jus. Bon, c'est ça ce qu'on utilise pour prendre le jus. Presser. Et je vais continuer encore à presser là. Du coup, j'ai pris un autre bol là. Les amis, ça me donne ça. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ce plat. Oh là 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 là. Non, c'est pas son truc. Non. C'est pas son truc de vidéo. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est prêt. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour toi ça. Bon ben il faut ça. Descends. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez aimer. Franchement, je remercie ma copine Shadia. Je remercie aussi ma cousine et ses amis. Et aussi à Madame Tambati qui nous a présenté comment préparer une mariée, comme vous avez vu.
franchement, ben, elle était trop gentille. C'était trop gentil de sa part de prendre du temps pour rentrer et pour préparer une mariée. Ce qui m'a beaucoup plu. Et aussi, franchement, je trouve ça dommage que j'ai pas pu visiter certains trucs. Le Mochongi que je voulais y aller. Et aussi l'Arc de Diani que je voulais vous montrer aussi. Je vous mets juste des photos ici, comme ça vous allez voir c'est quoi. Et franchement, j'aurais trop kiffé y aller, mais j'ai trouvé personne. Et faut pas aller seul, faut aller à plusieurs, parce que c'est devenu un peu dangereux ici. Du coup, voilà, je trouve ça trop dommage, mais bon, c'est pas grave, on va se dire ça à une prochaine fois, quand je viendrai à Mayotte. Pourquoi pas. Du coup, voilà, je fais des gros bisous et merci. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Bisous.